Salut Thierry, c'est Elfie. J'espère que tu vas bien déjà. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur quelque chose que je traverse. Voilà, donc j'ai limité au maximum les perturbateurs. Tu vois, je filtre mon eau, je me reminéralise au maximum. J'ai une alimentation saine, je respire un bon air, j'évite les sources de stress, j'ai du temps pour moi. Je vis dans un environnement génial, de nature vraiment magnifique. Donc je retrouve vraiment un équilibre qui est chouette. Et les symptômes de ma polyarthrite ont énormément diminué. Mais par contre, tu vois, j'observe qu'au moindre changement, au moindre stress, au moindre écart alimentaire ou quoi, je replonge direct, quoi. Donc j'ai l'impression que cet environnement un peu idéal, il est devenu ma prison. Ok, bon, je t'attends devant non, la barre. Non, Elfie, viens, au contraire, tu m'as consulté pour parler de santé. Là, je suis juste en train d'expérimenter la pleine santé. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Purée, mais elle est super froide. Ah, il est 3 degrés, c'est pas super froid. Mais tu m'as demandé de parler de santé. Hein, donc, mais quand on parle de santé, qu'est-ce que c'est la santé? En fait, c'est la vraie question qu'on peut se poser, quoi. Et la plupart du temps, on définit la santé comme la présence ou l'absence de symptômes. Hein. Ben, moi, c'est pas ma définition. La santé, c'est simplement la capacité à nous adapter à notre environnement. Et notre environnement, il est changeant. Hein. Et là, par exemple, j'expérimente la capacité à m'adapter à mon environnement froid. Et ce faisant, je muscle tout mon système adaptatif. C'est exactement ce qui est présent dans une loi qu'on appelle la loi de l'hormèse. Ok, mais du coup, c'est quoi concrètement cette loi de l'hormèse ? Le principe de l'hormèse, il est tout simple. Il nous dit que chaque individu, chaque être vivant, a une capacité à s'adapter. Alors, capacité à s'adapter physique, morale, psychique, tout va de pair d'ailleurs. Et on va voir que quand on travaille un plan en particulier, là par exemple, tu vois, je m'expose au froid, mais je ne travaille pas que mon exposition au froid, je travaille toute ma capacité adaptative. Eh bien, un organisme vivant donc, a une capacité adaptative, ça dépend de sa génétique, de ce qui lui est donné, puis de ses circonstances de vie. Mais à un instant donné, il a une capacité adaptative. Eh bien, si on le soumet à des sollicitations qui sont à la limite de ce qu'il peut accepter, c'est-à-dire on ne dépasse pas la capacité adaptative, on se situe juste avant. Si on le soumet à des sollicitations brèves, intenses, à la limite de sa capacité adaptative, suivies d'un temps de repos que j'appellerais un temps d'intégration suffisant, eh bien à ce moment-là, on va voir sa capacité adaptative augmenter. Globalement, tu sais, c'est la petite phrase qui dit « tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Donc moi, je vais te proposer de t'exposer au froid, je vais te proposer de t'exposer au chaud, je vais te proposer du jeûne, je vais te proposer de l'entraînement physique à haute intensité. Tout ça pour permettre de muscler ta capacité adaptative et que tu deviennes plus forte et plus en santé. Ok, mais t'as pas sinon un complément alimentaire, quelque chose qui pourrait avoir le même effet avec un peu moins de contraintes, quoi. Mais non. Il n'y a pas de raccourci vers la santé. Hein. La santé, ça demande un engagement, ça demande un effort, mais un effort délibérément choisi parce que tu sais vers quoi tu vas, d'accord? Donc, moi, je voudrais vraiment te proposer différents chemins. Hein. Ça va être à toi de les choisir, de les expérimenter, de les découvrir, de les comprendre. Et parce que tu les as compris, tu vas pouvoir les choisir délibérément. Et ça, ça va t'amener sur un chemin de santé. Tu n'imagines même pas où ça va t'amener. Il y a quelqu'un qu'il faudrait que tu ailles voir quand même, c'est Wim Hof. Pour te brosser un peu le portrait du bonhomme, 26 records officiels au Guinness Book, hein, on l'appelle The Iceman, l'homme de glace. En fait, le gars, il a vécu un drame familial et il a choisi de se responsabiliser plutôt que de sombrer. Il avait le choix entre les deux, on a toujours le choix hein, entre rebondir ou sombrer. Il a choisi de rebondir parce que de toute façon, il s'est retrouvé seul avec ses 4 enfants, donc il n'avait pas le choix. Hein, donc il s'est mis à l'épreuve à différentes reprises, il a essayé de bâtir une méthode cohérente
permettant à n'importe qui de renforcer son système adaptatif d'une façon extraordinaire et de façon très très rapide. Et il l'a prouvé d'ailleurs, parce qu'il s'est mis aussi à l'épreuve de la recherche scientifique, et c'est un gars absolument extraordinaire. Par exemple, il détient le record du monde de submersion dans la glace pendant près d'une heure sans que sa température corporelle ne change. Et surtout, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a cassé complètement le mythe du héros, parce que très rapidement, on disait « Oui, mais c'est vous qui avez des capacités surhumaines. » Et lui, il a dit « Non, j'ai aucune capacité surhumaine. J'ai juste de l'entraînement qui est basé sur la physiologie. Et cet entraînement, je peux le transmettre. » Alors, va le voir, je crois qu'il a des sacrées choses à te transmettre. The cold knows how to bring me in the depth of my being. When I go into the cold, I go to my friend. It's my warm friend, I call it. Millions of people die of cardiovascular related diseases. The cold drains the vascular system. Not shockingly, but gradually. Like a little bit cold, little bit, it's like fitness of the vascular system. Inside, we have three times the world vascular channels inside of us, everybody, and it has millions of little muscles. And if you go into the cold, then these muscles begin to react, they become strong. And then the blood flow gets better through the body, and I'm doing the studies with the universities, and it shows that we are able to beat inflammation. And the inflammation actually is the cause and effect of disease. So if you go into the cold on a regular basis, much of the disease will go away. So why do I love the cold? Because I think it's a noble force, and it's my teacher, and it makes my cardiovascular system feel great, and I get a lot of energy. If you breathe better, you are influenced as well. It's called aerobic dissimulation. To get more oxygen, you get more ATP. ATP is adenosine triphosphate molecules. Molecules is energy. If you breathe better, you can influence into these energy factories in the cell. Those are the mitochondria. This is conscious breathing. Then the cold. I will use the cold and make your depth come to the surface. It's very simple. The magic is life. It's not mine, it's life. Then you have the mindset. The mindset is the brain. And in the brain, we have a will. And that will is able to go in any part of the brain. I've learned this. I do these studies in the university, and they say, hey, with these techniques of the mind alone, you can, this is a transformational technique that will change mental health care, is what they say. Because we found a way to go with the will into the deepest part of the brainstem, reptilian brain. And with that, we are able to control the hormones. Because when you go consciously, not forcefully, consciously, step by step into the cold, you learn to train the brainstem in contact with the consciousness, with your will. Brainstem is the part of the survival. Fight, flight, food, freeze, and procreation. All those are part of the brainstem. It's, and we lost this control inside of us because we live in a very protected way in our society. Comfort zone behavior. If you take these three things, the breathing, the cold, and the mindset, then this is the method, then it will awaken a power
from within, which is naturally there. So I made this method, and then they saw in the university, people who I train in 4 days, they were able to have an injection with the bacteria, and the toxin is a bacteria injected, which makes you feel very sick for 3 to 6 hours. Headaches, all over agony, shivering, uncontrolled shivering, and sometimes vomiting, and muscle aches. It's not nice. And they were able to control it, all of them. And 16,000 people before that could not control. And suddenly, 100% score of 12 people I trained in 4 days, they were able to control. And thus, we changed the books in the university of what we are able to do. Because disease should be within our control. And with the disease, I mean physical and mental. We are able to influence deeply into the DNA. This study is being done in San Francisco right now with the top researchers in the world related to this method. Because this method really goes deep. It's, comment, c'est vraiment un soulagement, je sais pas comment dire en anglais. For me, to... Relief. Yes, and to listen from the outside, what I know in the inside, I can do something. Bonjour à tous, besoin d'inspiration. Étant dans un processus de régénération, je suis à la recherche de personnes l'ayant vécu pour partager leur histoire. Je retrouve cette attitude de chercheuse. Cette curiosité qui était tellement vivante en moi lorsque j'étais enfant. Pourquoi les plaies se referment? Pourquoi on est malade? Pourquoi? Pourquoi? Les niveaux de santé, je les illustre un petit peu de la même manière qu'on a ce feu. Là, tu vois, on a un feu qui est mourant. Et ce feu, pour le raviver, il y a des principes. Le principe, il est simple. Il faut que tu apportes du bois. Il faut que tu apportes de l'oxygène. Si tu apportes du bois et de l'oxygène, eh ben, ça va fonctionner. Et pour la vie, c'est la même chose. Il y a des grands principes. Et ces principes, ils sont valables pour tout le monde, tout le temps. Comme pour le feu, c'est toujours valable. Il faut du bois, il faut de l'oxygène. Par contre, ce feu-là, quand il est mourant, si je lui apporte une énorme bûche, par exemple, comme ça, parce qu'on me dit, ouais, ok, il faut amener du bois. Je lui amène cette énorme bûche. Je vais écraser le feu, il ne va jamais redémarrer. Et avec la vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le principe, il est unique. Hein, et il y a des besoins qui sont uniques et qui sont propre à tout le monde, mais par contre, la manifestation de ce principe dans la vie de chacun, ben, elle va demander une grande adaptabilité. Là, par exemple, si je veux redémarrer à partir de ce feu, ben, il va falloir que je redémarre avec des petites branchettes, tu vois, que je coupe délicatement, puis que je dépose ces petites branchettes. Et puis, si je veux apporter de l'oxygène, il va falloir que j'en apporte, mais en petite quantité, tu vois, que je me mette doucement comme ça, et puis avec précaution, que je me mette à souffler. Première flamme, là, quasiment, on l'a vu. C'est ça, les principes sont les mêmes, mais les terrains sont différents. Et... Complètement. Mmh. La situation de départ est complètement différente. Tiens, regarde, là, on va lui apporter, tu vois, on voit là, on lui a apporté du bois, là, il manque un peu d'oxygène, mmh. Donc on va lui apporter un peu d'oxygène. Tu sais qu'on a perdu à la fois cette connaissance et cette confiance dont tu parles, que oui, ça va repartir. Le terme de confiance est excellent, mmh. Parce que là, tu vois, je n'ai aucun doute qu'à partir de ce feu-là, je peux embraser toute la forêt. C'est impossible de se tromper, parce que je connais les principes. Si tu connais les principes du vivant, ça redémarre toujours.
Et c'est vraiment la différence qu'il y a fondamentale entre le vivant et le non-vivant. Et la vie, je crois qu'on ne l'appréhende pas assez comme un mystère. Moi, pour moi, la vie, c'est un mystère. C'est un mystère autour duquel peut-être on tournera toute notre vie. C'est une vraie question spirituelle. Et je pense même pas qu'elle attend une réponse. Elle attend une expérimentation. Elle attend de la vivre. Et quand tu vas être mis à l'épreuve aussi, quand tu vas aller dans ta zone d'inconfort, bien, c'est les plus beaux moments où tu sens la vie en toi. Tu sais, dans notre vie, souvent, les meilleurs moments, ce qu'on retient, c'est les situations où on a été en précarité, où ça a été difficile, où on a failli passer à côté, hein, et en même temps, on s'en est sorti. Et c'est là, on n'a jamais été aussi vivant que dans ces moments-là. Donc, goûte vraiment cette énergie, cette puissance de vie, et avec les bons principes. Voilà, maintenant, on va pouvoir doucement commencer avec mettre du bois. Hein, tu vois, là, on a gagné un cran avec le feu, là. On ne peut pas créer la vie. C'est impossible. On peut la perpétuer. On peut la propager, comme on peut propager le feu, mais on ne peut pas créer la vie. Et il faut avant tout la préserver. Et apprendre à la connaître, à connaître ses besoins et à les respecter. Voilà un vrai feu. Et une vraie vitalité, c'est ce que je te souhaite. Salut Elfie, c'est Astrid. Tu as pu me voir dans le film Régénération. J'ai été diagnostiquée d'une sclérose en plaques en décembre 2011, maintenant. Donc ça va faire bientôt 8 ans. Et à l'époque, j'étais devenue hémiplégique. Je ne pouvais plus du tout marcher. Toute la partie droite de mon corps était paralysée. Alors tu vois qu'on peut s'en sortir largement. J'ai eu des gros phénomènes de détoxination. À partir du moment où j'ai mis en place la pratique des jeûnes, où j'ai senti qu'il y avait énormément de toxines qui sont sorties de mon corps, où je fais du yoga, un yoga dynamique, je pratique la course à pied, j'ai vraiment une activité, je vais faire des randonnées dans la forêt, au moins une fois par semaine, et puis également, j'utilise la loi de l'hormèse dans le chaud et le froid, je me sens beaucoup plus vivante et je me sens beaucoup plus solide. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être, on va rigoler, mais on peut parler de surhumain, dans le sens où j'ai cette liberté de me dire, peu importe le temps qu'il fait dehors, peu importe la contrainte de là où je suis, s'il n'y a pas d'alimentation, mais je ne mange pas, je suis adaptée à cette situation. C'est le jeûne intermittent qui m'a permis véritablement de lutter contre cette fatigue au quotidien. Et puis si mon corps, parce que j'ai travaillé un petit peu trop, me le rappelle à l'ordre, eh bien dans ce cas-là, je me repose. Il y a 5 ans, la douleur était permanente, le jour, la nuit. Elle me gênait pour marcher, monter et descendre les escaliers, porter ma fille. Mes doigts commençaient à se déformer. Mes poignets également étaient enflés, m'empêchant de nombreuses petites actions du quotidien. Ouvrir une boîte ou une bouteille, un robinet. On se donne des nouvelles, merci pour ta motivation. En fait, j'ai fait un burn-out, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai mis même 2 ans à m'en rendre compte, parce que, en fait, on n'en parlait pas de tout ça. Et puis, si jeune, à 26 ans, faire un burn-out, c'était pas possible. J'ai eu des moments où je me sentais complètement morte. J'avais l'impression d'être un gisant dans mon lit parce que j'arrivais plus à sortir de mon lit. J'avais voyagé partout dans le monde et j'arrivais plus à sortir de mon lit. Alors j'ai cherché à comprendre et j'ai voulu expérimenter. Alors j'ai fait un jeûne de 4 jours la première fois. J'avais mangé cru un petit peu avant et j'ai arrêté de manger pendant 4 jours. Pendant ces moments-là, j'ai fait des lavements. Je suis allée dans l'eau froide et j'étais mieux, j'avais à peu près 4 sur 10 avec une sensibilité au soleil énorme. Donc je pouvais absolument pas sortir sans, même quand il faisait gris, c'était impossible de sortir sans lunettes de soleil. Et en fait, ma vue s'est améliorée, donc j'ai arrêté de mettre mes lunettes de vue. Aujourd'hui, ce que je continue à faire,
c'est le yoga des yeux. C'est-à-dire que quand je fais ma méditation, j'en profite vraiment pour aller regarder très très loin et très près, continuer ce yoga des yeux pour entretenir ma vue, pour en fait entraîner. Hein. Et donc je suis retournée voir l'ophtalmo, et donc il me fait lire les petites lignes et... Et en fait, je vois très bien. Donc, il me dit, mais là, tu vois. Bah oui, là, je vois très bien. Il me dit, mais là, tu peux lire. Bah oui, là, je peux lire aussi. Il me dit, mais d'accord, mais en fait, t'as fait quelque chose. Tu me l'as pas dit. Tu t'es fait opérer au laser. J'ai surtout découvert la belle personne que je pouvais devenir. C'est le chemin de la vie, tout simplement. Le chemin vers l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de tout le vivant dans son entier. Alors c'est vrai que l'alimentation, bon, c'est un besoin vital, hein, c'est pas difficile de le comprendre. On a besoin de nutriments, entre autres, hein, pour fabriquer la matière de notre organisme. Mais en réalité, toute cette matière ne peut se tous ces nutriments ne peuvent se transformer en matière qu'à partir du moment où on jeûne et où on repose la machine à digérer. Et il faudrait qu'il y ait peut-être même deux fois plus de repos digestif que de temps de digestion. Ce qui explique, par exemple, l'intérêt du jeûne intermittent, d'avoir au moins 16 heures de repos digestif chaque jour, parce que c'est dans le repos qu'on va vraiment transformer les nutriments en énergie. Et justement, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. Si on peut repousser nos limites et jeûner jusqu'à nos limites, en fait, on n'a pas besoin de dire qu'il faut manger à midi ou à 14h ou à 16h. C'est vraiment, chacun va tester ses propres limites. Il faut vraiment expérimenter. Quand on a vraiment faim, on se dit « Ok, bah là, je vais manger, et tant que possible, des aliments les plus adaptés à nos besoins physiologiques. » Et le fait de jeûner pendant un certain temps fait qu'on va avoir l'estomac qui se creuse et dans l'inconscient collectif, on pense que c'est les symptômes de la faim. Et on va dire « Oh, j'ai l'estomac noué, j'ai faim, il faut que je mange. » Et dès qu'il mange quelque chose, la douleur s'arrête, il n'y a plus de nœuds. Et disent « Ah ben super, voilà, j'ai plus mal à l'estomac parce que j'avais faim, j'ai mangé. » Mais en réalité, c'est simplement parce que l'estomac se reconcentre sur la digestion de l'aliment qu'on vient de manger. Dans le jeûne sec, les effets bénéfiques sur notre santé, sur la régénération, sont beaucoup plus rapides. Il semblerait que pendant le jeûne sec, on transforme nos cellules en usine de traitement des déchets, c'est-à-dire que les déchets pourraient être directement éliminés intracellulaire. Alors que quand on jeûne hydrique, ça passe davantage par la circulation sanguine, lymphatique, par les émonctoires. Donc c'est pas tout à fait le même processus. Je dirais qu'on peut partir sur l'idée de jeûner sec. Et si vraiment on a très très envie de s'hydrater, de boire, alors on pourrait boire à la petite cuillère, des petites quantités pour s'hydrater, si vraiment on en a besoin. Le jeûne permet aussi de faciliter l'émergence de certaines émotions encore enfouies en moi. Une sorte d'hormèse émotionnelle où je m'ouvre à leur rencontre sans attente, quelle qu'elle soit. On sait qu'en 72 heures de jeûne, on renouvelle aussi les cellules du système immunitaire. Donc on a un effet qui est quand même très intéressant sur l'immunité pour donner un coup d'accélérateur à l'immunité. Ce qu'on peut vivre physiquement, ça peut se passer aussi au niveau du système nerveux et donc on peut avoir des choses qui sortent émotionnellement. Donc avoir un événement émotionnel de vie qui nous a affectés, qu'on peut appeler un choc émotionnel, un traumatisme, quelque chose d'assez fort. Et quand on jeûne, en effet, on peut avoir des sorties. Donc des fois, on peut sentir qu'on est plus sensible, on peut sentir qu'on a besoin de pleurer, que voilà, il y a des choses qui peuvent se passer. Et surtout, si tu commences à te reposer, ben, moins tu fais d'activité, plus tu lâches prise sur ton quotidien. Plus tu lâches prise, plus il y a des choses au niveau psychique qui peuvent se dégager. Mais surtout, tu te retrouves seul avec toi-même. Et quand tu es seul avec toi-même, bah, tu retrouves tes démons, tu retrouves toutes les choses que tu, on va dire, entre guillemets, que tu dois affronter, que tu dois accepter vis-à-vis de toi, ta personne. Et souvent, bah, c'est vrai qu'on s'active dans tous les sens parce que c'est un peu une forme de fuite. On cherche à éviter un peu ce mal-être, à éviter un peu ces confrontations, à éviter de, bah, on va dire, cet ennui, entre guillemets, qui normalement n'est pas de l'ennui, mais c'est simplement on se recentre sur soi, on se retrouve avec soi-même. Et c'est pour ça que le jeûne, souvent, surtout quand on le fait avec du repos, on voit des personnes qui en sortent totalement transformées.
psychiquement, qui veulent changer de vie, changer de manière d'appréhender les choses, changer de métier parfois. On voit des choses intéressantes là-dessus. Who's in control? Me. Yes. I am. Right on. I am in control. There it is. The cold is nothing but a mirror. You learn to control the stress coming in. Hands on your thighs when you come in. Yes. Allez, remesse. You become the master over your adrenal axis, and that you need in your autoimmune disease. Got that? Okay. Good. Learn to control. Learn to relax. Lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux, au travail ou en amour. Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite. Bon Elfie, tu me connais, hein, je suis pas hyper à l'aise à l'écrit, je préfère l'oral, donc je te fais cette vidéo. Parce que je voudrais vraiment attirer ton attention sur une dimension qu'on peut rater et qui est vraiment très importante dans cette démarche d'augmentation de ta santé, c'est la dimension du repos, du temps de repos. Tu vois, on a vraiment le risque d'être fasciné par la sollicitation du corps. Ah ouais, tu vois du froid, tu vois du chaud, alors tu te mets au challenge. Puis on est une société hyper volontariste, donc il faut faire des efforts, ainsi de suite. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce temps de repos est un temps qu'on pourrait mieux qualifier de temps d'intégration. Le principe de l'hormèse, on pourrait imaginer que c'est un peu l'équilibre du fonctionnement du vivant, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on a le jour, la nuit, l'activité, le repos. Et en fait, l'hormèse, c'est ça. C'est-à-dire que dans la phase d'activité, on va être soumis à des facteurs de stress. Ça peut être climatique, ça peut être un danger qui est face à nous, et donc ça génère un stress. Et derrière, on a une phase de récupération. Et c'est dans cette phase de récupération que le corps développe ses capacités pour être plus adapté à cette phase de stress et donc gagner en amplitude de fonctionnement. Alors les trois repos, c'est les trois seules techniques qui permettent vraiment de recharger notre énergie vitale. Il y a déjà le repos physique. En fait, à chaque fois qu'on est en position allongée, c'est vrai que le fait de ne pas avoir du tout de dépenses musculaires,
Ça nous permet en fait de recharger l'énergie nerveuse, de recharger la batterie pour que toute cette énergie vitale puisse être utilisée ensuite pour les fonctions normales de l'organisme. Le deuxième type de repos, c'est le repos mental. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a le silence, dès qu'on arrive à faire le silence interne aussi, intérieur, alors là, du coup, on ne dépense pas d'énergie à analyser les sons, à cogiter, avec des pensées incessantes, avec du monologue intérieur. Donc c'est un peu un état méditatif. Et le troisième repos, c'est évidemment le repos qu'on appelle le repos physiologique, et c'est le jeûne. The importance of silence is actually related to restoration, rehabilitation, regeneration. The silence is that the body is taking over and does what it needs to do to get balance in the depth or to work things out of the past, like old trauma or this or that. Whatever is not worked out, the body needs silence. What do animals do when they are sick or wounded? They retrieve. Mais si on n'a plus ces phases de repos, au bout d'un moment, on va tirer. Donc il y a un moment où on gagne un peu, et puis après il y a un moment où on perd parce que le corps est trop fatigué. C'est pour ça que cette phase de repos est très importante. Et dans le sport, on dit souvent que le repos, ça fait partie de l'entraînement. C'est un petit peu le principe aussi. La méditation, au départ, c'est une autorégulation de l'attention qui permet au mental de s'apaiser. Mais ça, c'est que la première étape. Après, c'est vraiment d'ouvrir son cœur, d'être dans cette acceptation sans commentaire, sans jugement. Et du coup, de pouvoir entendre ce qu'il y a au-delà de toute cette activité du mental, qui est la conscience. Et la conscience, c'est juste une présence à ce qui est, c'est un silence. C'est un cœur grand ouvert, et la méditation, c'est ce qui permet d'accéder, je crois vraiment, à l'éveil de cette conscience, de laisser cette conscience s'éveiller en nous, parce que finalement la conscience s'éveille toute seule, c'est nous qui faisons obstacle avec notre activité mentale, notre agitation mentale. Chez certaines personnes qui vivent dans l'agitation et le stress en permanence, l'amygdale est comme désactivée. Et elle ne génère plus ces signaux d'inconfort. Et donc, ils s'habituent au stress et à la tension. Et puis, quand précisément, ils vont dans un acte comme celui de la méditation, qui vise à diminuer cette tension, à apaiser ce stress, l'amygdale se réactive parce qu'elle considère, elle capte cet apaisement comme quelque chose d'anormal. Et du coup, elle génère une peur ou une anxiété, alors que la situation est plutôt bénéfique, pas du tout dangereuse. Et donc c'est une sorte d'inversion du fonctionnement de l'amygdale cérébrale qu'il va falloir rééduquer. De là va découler toute une cascade de réactions physiologiques que notamment la psycho-neuro-endocrino-immunologie étudie très bien. Et on voit très bien le lien que dès que, notamment par rapport à grâce à la méditation, il y a un apaisement mental, il y a des émotions plus agréables qui surgissent, il va y avoir sur le système nerveux une détente qui va pouvoir se mettre en place via le système parasympathique qui vient équilibrer les influx sympathiques de tension, et de là une production hormonale harmonieuse qui va permettre aux différents organes de fonctionner de concert dans l'efficacité et la vitalité, et de là aussi tout un système de régénération et de mise en place
place de défense immunitaire qui prémunissent de plein de problèmes de santé. Donc on voit bien comment la méditation, par cet apaisement mental et cet impact sur les émotions agréables, va avoir des répercussions neurologiques, endocrinologiques, immunologiques. On a plein d'études pour montrer ça aujourd'hui. Il n'y a même plus à douter de ça. Le seul souci qui surgit, c'est que les cultures sont très réticentes à changer l'identification qu'elles ont à leur manière de penser. Au-delà du moi, il y a un noyau de l'être qui est la conscience, qui est tout au fond de nous, qui regarde ça, qui regarde cette agitation, qui regarde cette impermanence de la personnalité. Et du coup, quand on parvient à vivre au niveau de ce noyau, en contact avec ce noyau, on se sent très solide, on se sent éternel quelque part, puisque il n'y a pas d'impermanence au niveau du noyau. La conscience est, elle est là, elle regarde. En parallèle de cela, il y a au niveau émotionnel aussi tout un inconfort qui peut surgir et qui, lorsqu'on le traverse, donne lieu à une grande liberté, une grande légèreté émotionnelle. Et donc nos sentiments vont changer aussi à travers cette expérience. Et on peut avoir des prises de conscience, des éclaircissements, des insights, comme on dit en anglais, où tout d'un coup des choses deviennent évidentes parce que voilà, les nuages ont été chassés de ce ciel un peu encombré. Je me rends compte que je n'ai pas besoin de lutter contre mes limites, mais de les accueillir et de plonger en elles. Dans ma vulnérabilité se cache ma force, et dans mon humilité ma puissance. Je m'en remets à plus grand que moi. Est-ce que tu peux lui raconter quel a été ton diagnostic ? Tout a commencé en mars 2017, suite à une perte importante de poids. Mm-hmm. Alors donc une batterie d'examens pour m'annoncer une tumeur au foie au stade terminal. Il a fallu que je supprime le gluten, le sucre, le café, le laitage, les viandes rouges, des jus de légumes. Betteraves rouges, concombres, carottes, gingembre, curcuma. Ça, c'était ton quotidien. Ça, c'était mon quotidien. Et tu as dû aussi t'ouvrir à des nouvelles pratiques de relaxation. Par l'intermédiaire de ma thérapeute, la sophrologie, la méditation, qui était loin de toutes mes croyances, quoi. Ça t'arrive de jeûner aussi. Au tout début, tes AFP, donc les marqueurs du cancer, ils étaient à... Les marqueurs du cancer, au départ, oui, ils étaient à 250 413 pour une norme de 7,4 unités. C'était énorme. Et aujourd'hui, ils sont au bout de quelques mois, bon, ils sont descendus à 635. Et aujourd'hui, je suis à 2,5 pour 7,4 unités. Largement en dessous de la moyenne. Au départ, je ne comptais pas les jours ni les mois. C'est au fur et à mesure que je reprenais du vivant, de moi-même. Il a fallu au moins facilement 15 mois. Ce qu'on a été avant et puis ce que je suis aujourd'hui, c'est complètement différent. J'ai appris à lâcher prise sur beaucoup de choses. Est-ce que tu as eu une approche différente face à la nature ? Oui, je la vois mieux qu'avant. Ouais. C'est vrai, je la vois mieux.
Et pourtant, je suis jardinier depuis déjà quelques années quand même. Et bien, la nature, je la vois différemment, je la vois autrement, oui. C'est sûr. Et je peux dire que la nature, elle est bien faite. Ou encore plus loin que ça, je dirais qu'il y a l'autisme d'Asperger, en fait. Depuis quelques mois, en fait, j'ai changé mon hygiène de vie. Je suis devenu crudivore, je pratique le jeûne intermittent. Je pratique depuis pas mal de temps, surtout l'exposition au froid, oui, avec les douches froides, en fait. Et la respiration de Wim Hof, en fait. Je me sens beaucoup plus calme et plus d'énergie, en fait. Une énergie calme, je dirais. Globalement, j'ai moins de tics, de tocs, ce genre de choses. Il n'est plus le même, hein, depuis. Et il s'exprime beaucoup plus facilement. Et il est plus volontaire. Il a plus de goût. Plus le goût de vivre, disons. Et il a un moral différent. Il fait beaucoup plus de choses qu'avant. Il s'exprime même à des personnes qu'il ne connaît pas, quelquefois. Parce qu'avant, c'était, fallait vraiment, c'était limiter le nombre de personnes à qui il parlait, quoi. Voilà. Je suis beaucoup plus souriant aussi, en fait. Avant, je ne souriais jamais. Et j'ai remarqué ce changement. J'ai comme un sourire permanent sur le visage, en fait, très léger, qui ne se remarque pas forcément. Voilà, je voulais dire cela aussi. Tombé tuberculeux et j'étais à l'hôpital et j'ai entendu le médecin qui a dit à la religieuse, il sera mort demain matin, on peut rien faire. Mais le lendemain, j'étais vivant. Comme dit Shivananda, un maître indien, il faudrait sortir par tous les temps. Moi, je mets une petite note humoristique, sauf quand il y a de la grêle, parce que les grêlons sur la tête, ça fait mal. Mais autrement, par tous les temps, quand il pleut, quand il y a du vent, quand il y a des diversités, quand il fait très chaud, le corps s'adapte progressivement, si on ne le brutalise pas, il se met à bronzer pour se préserver des excès du soleil. Mais il faut lui donner le temps. Le monde est trop pressé. Ils sont blancs, ils vont sur la Côte d'Azur et ils vont rebronzer en une après-midi. Donc c'était la première fois que dans le monde, un homme restait dans un cube de glace pendant une heure, enfin 55 minutes. Je me suis mis au service de la science parce que la science me l'a demandé. Les médecins s'intéressent beaucoup à ce que je fais. La plus grande force de l'univers, c'est la force de pensée. Si elle est négative, elle auto-détruit l'individu. Si elle est positive, elle l'auto-transcende. Véronique, elle devait mourir du sida, comme moi je devais mourir de la tuberculose. Elle habitait la région, et c'était beau, c'est magnifique ce qu'on a vécu. Et qu'est-ce qu'on a rigolé, avec des anecdotes incroyables. Des anecdotes dans l'aventure de la vie, des forêts, dans le froid. Je l'ai emmenée en montagne, je lui ai fait un enneigement. Elle est restée une heure enneigée, en montagne, enneigée jusque-là. Il faut avoir la foi. Si on ne l'a pas, on la découvre. On tombe amoureux de la vie, amoureux de soi-même dans le bon sens du terme, et puis on découvre des choses, des forces universelles très fortes. C'est la faute de la société veut ça, mais la société c'est nous. On ne changera pas une société si nous ne changeons pas nous-mêmes, c'est absurde. Donc il faut reprendre cette responsabilité, mais pour ça il faut faire une vraie éducation de ce mental, et le mental ne peut pas y croire tant que ça n'a pas été vécu, expérimenté. Il ne s'agit pas de se sentir coupable de ce qui se produit, mais de se dire non, mais j'ai ma part, j'ai mis en place certaines choses dans ma vie
qui ont amené à cette situation, que ce soit au niveau personnel, soit au niveau collectif parfois. Et ça nous renforce, ça nous approfondit, ça nous révèle des parts de nous absolument insoupçonnées. Au moment où la personne est invitée à se reposer vraiment, il y a des grandes angoisses. Parce que c'est dangereux, je ne vais plus exister. Et le cerveau n'est plus du tout habitué à vivre cet état physiologique absolument naturel qui est celui de la détente. Et donc, c'est tout un travail d'arriver à reconditionner le mental de ces personnes pour qu'elles ne tombent pas dans le piège de l'épuisement qui les emmènerait jusqu'à à l'effondrement et après l'effondrement, la mort. Et dans ce contexte-là, on peut repositionner plein de maladies, si pas toutes les maladies, en se disant que quand on va trop loin, le corps se manifeste et si on ne l'écoute pas, il faut faire attention parce qu'on peut vraiment l'emmener dans une impasse qui s'appelle la mort. J'ai fait une empreinte de pied. Et moi ? Oh ! On parle maintenant d'une discipline fondamentale qui est une véritable révolution depuis 20 ans, qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une science qui étudie l'expression des gènes et surtout la modification de l'expression des gènes, plus, moins, éteint, allumé, en fonction du comportement des plantes, des animaux ou des humains. Le comportement, la nutrition, l'exercice, pour les humains, le management du stress, va permettre de modifier l'expression de certains gènes. Des gènes de maladies, on en a de très nombreux, mais on ne va pas forcément les manifester, ces maladies. Et ces maladies, en fait, ce qui va faire qu'on les manifeste ou non, c'est si on active le gène ou si on l'éteint. Dès qu'on va dans le sens de la vie, dès qu'on va dans le sens de la nature, dès qu'on a une alimentation adaptée à nos besoins physiologiques, qu'on pratique une activité physique en alternance avec du repos, qu'on respire un air sain, qu'on a des rapports et des plaisirs en société avec les gens, des rapports sains et tout, tout ça, ça va éteindre les gènes de la maladie. Alors, on a compris qu'il y avait un certain nombre de protéines qu'on appelle les HSP. En anglais, ça veut dire Heat Shock Protein, des protéines de résistance à la chaleur et au froid qui jouent un rôle très important pour stimuler certaines défenses de l'organisme quand l'organisme est exposé à des grandes chaleurs ou à des grands froids. D'où, par exemple, le sauna qui vous amène à plusieurs quarantaines ou cinquantaines de degrés et ensuite d'aller se plonger dans l'eau glacée. Donc c'est ce stress volontaire appliqué au corps par la grande chaleur ou le grand froid stimule les heat shock proteins et stimule des mécanismes de résistance, de résilience, en quelque sorte aux maladies, à l'oxydation ou à l'inflammation du corps. Tout ceci est maintenant connu, prouvé scientifiquement avec des références scientifiques qui montrent l'effet sur la santé, sur le corps. Ce mécanisme généralement a une barrière physique qui dans la nature n'existe pas. L'hormèse se nourrit de tous les sens, d'accord. Il n'y a pas que la physiologie, il n'y a pas que la, par exemple quand vous faites des bains froids, d'accord, il n'y a pas que la physiologie, la thermorégulation qui rentre en compte. Ce qui va déterminer la qualité hormétique et l'intégration par la suite, ça va être l'étendue de l'intégration au niveau sensoriel. C'est-à-dire que si votre visuel, votre toucher, votre odorat, votre ouïe est en corrélation avec ce que vous faites subir d'un point de vue hormétique à votre physiologie, vous faites tout exploser.
Là, c'est une intégration complète que vous faites. Par contre, si vous regardez la télé, vous sentez des crêpes, vous entendez les voisins qui font du bruit, et vous voyez que vous êtes dans un congélateur, et que vous faites travailler la thermorégulation, eh bien, il n'y a que la dimension physiologique qui va essayer de se mettre en mouvement. Alors, elle va fonctionner. Attention, hein, elle va fonctionner. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que si vous intégrez l'ensemble des éléments sensoriels. C'est tout votre être qui est tourné vers ce que vous faites. Et là, l'intégration au niveau de vos gènes, au niveau de la plasticité neuronale, elle est complète. Pour moi, la santé, elle est corrélée à l'adaptation. L'adaptation, c'est l'essence même de la vie. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un organisme est vivant, c'est qu'il s'adapte. D'accord ? Et il s'adapte au travers du mouvement. D'accord ? C'est tout un tas de mouvements dans l'organisme et avec l'environnement qui créent et qui permettent de s'adapter. D'accord ? Et donc, la santé, c'est le niveau d'adaptation de l'organisme vivant. Plus il s'éloignera du milieu où il s'est développé naturellement, plus il aura de mal à faire face à des situations de stress. Et donc, au lieu d'y répondre de façon hormétique, de façon adaptative, il aura tendance à développer des symptômes qui amèneront à des maladies ou à des pathologies. Moi, on m'a dit que, par exemple, mon système immunitaire était finalement mon ennemi, puisqu'il s'était retourné contre moi, etc. Et pareil, ça crée une sorte de dissociation. Mmh. Comme on peut être dissocié de l'environnement, ben, je me sentais dissocié de mon de toi-même. Corps, de toi-même. Mon système, etc. Jusqu'à comprendre qu'en effet, tout ça était tout à fait adapté. Mmh. Et pour mon bien, quoi. Mmh. Ouais. On est vulnérable parce qu'on est dissocié de la nature. À partir du moment où on fait partie de la nature, comme ce que je te disais, putain, mais on a une puissance, mais en fait, tout ça, là, c'est juste une extension de moi, quoi. Et même sur le principe de l'hormèse, justement, on peut se les réapproprier avec les logiques anciennes, c'est-à-dire, par exemple, essayer de créer nous-mêmes la petite contrainte, etc., qui va permettre un processus hormétique de se développer et tout ça, alors que finalement, si on se laisse être dans un environnement, ça se fait tout seul, en fait. Exactement. C'est pour ça que je dis que la nature nous donne. Elle nous donne les difficultés qu'il faut surmonter pour pouvoir prospérer d'un point de vue de la santé. Donc, finalement, il n'y a rien à faire, juste à s'adapter et à s'écouter. On est persuadé, mais justement parce qu'on s'est dissocié de la nature, que pour faire quelque chose, pour que quelque chose se mette en place, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes obligés, d'un point de vue mental, d'intervenir. Moins on comprend la nature, ça c'est la phrase qu'il faut vraiment retenir, moins on comprend la nature, plus on intervient. Plus on apprend à la connaître, moins on intervient. Thank you.
on parle d'hormèse comme ça, on parle tout de suite le froid, le chaud, le jeûne, le renforcement. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Par exemple, le renforcement de notre système immunitaire, eh bien, il se construit par simplement l'exposition à un environnement qui va nous mettre au challenge. Tu vois, on parle toujours de virus, de bactéries. Puis globalement, dans notre tête, quand on parle de virus et de bactéries, c'est quelque chose de mal, de dangereux. Mais en fait, elles ne sont « mauvaises », entre guillemets, c'est-à-dire dangereuses pour notre corps, qu'à la hauteur de notre faiblesse. C'est-à-dire que plus on est faible, plus n'importe quelle bactérie va pouvoir s'installer à l'intérieur de notre organisme et causer peut-être des dégâts. Mais ça, c'est un révélateur de notre faiblesse. Pareil, les virus. Comment ça se fait que quand tu as un virus qui se balade dans l'environnement, il y a certains individus qui vont être très touchés, qui vont avoir un gros développement viral, et d'autres, non. Mais ce qui fait la différence, c'est la force du système immunitaire. Et ce système immunitaire, comment est-ce qu'il se construit ? Simplement, en étant exposé chaque jour de manière graduelle, normale, à des souches bactériennes et virales de plus en plus nombreuses et de plus en plus diversifiées. Et donc finalement, à notre époque, à force de prôner une sorte d'asepsie autour de nous, hein, dans lequel il faut qu'on vive dans des environnements de plus en plus stériles. Mais en vivant dans des environnements stériles, on ne se renforce pas, au contraire. On dégrade notre niveau immunitaire. C'est tout simple. Notre corps se construit par interaction avec son environnement. Si l'environnement est riche de souches bactériennes, notre organisme va apprendre à s'y adapter, va apprendre à travailler avec ça. S'il n'a pas appris, le jour où il va y être confronté, alors là, pff, il est balayé. Et c'est pour ça que la qualité de la nature de notre environnement est primordiale. L'humain est son environnement. À ce niveau-là, on ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire, si ton environnement est riche, ta force sera grande. Si ton environnement est pauvre de souches bactériennes et virales, ta force sera faible et ta santé sera faible. On renforce les défenses des bactéries en les surchargeant d'antibiotiques parce qu'elles s'adaptent très très vite, comme elles se reproduisent toutes les 20 minutes. Elles se reproduisent très vite, ce qui fait que des générations nouvelles arrivent avec les gènes de résistance aux antibiotiques. Donc on en connaît les dangers. L'OMS a prédit que dans une cinquantaine d'années, il y aura des centaines de millions de morts dans le monde en raison de la résistance aux antibiotiques. Et voilà, bon appétit. Bon app. Bonjour Elfie, tu pourrais me renvoyer les corrections s'il te plaît, que je t'ai demandé il y a quelques jours sur les chapitres 6 et 7. Ça commence à devenir vraiment urgent là. Merci beaucoup. Bonjour Elfie, j'ai développé il y a quelques années la polyarthrite rhumatoïde ainsi qu'une spondylarthrite ankylosante. À mes 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait une première crise d'arthrite aiguë au genou gauche. Ça en est suivi d'une cataracte qui a été prise malheureusement un peu en retard. Je me sentais vraiment épuisé, je travaillais devant les ordi, je rentrais le soir, je voulais juste m'affaler. J'avais d'énormes cernes, il y avait personne de ma famille qui s'inquiétait. J'ai eu une hépatite virale B. Jusqu'au jour où ma jambe gauche s'est paralysée. Sans douleur. Attends, je t'enlève, ou prends celle que tu veux. Je t'enlève la peau si tu préfères. Moi aussi, j'aime pas la peau. Tu peux m'enlever la peau ? Ouais, celle-là, elle est un peu grosse. Tu la veux ou ? Oui. Allez, oui, ça va. Je t'enlève la peau. Salut. Ouais, déjà, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, toujours dans l'exploration de l'hormèse, là, dont je t'avais parlé. Et puis, justement, je m'aperçois que j'ai besoin de plus d'espace et plus de temps pour pouvoir approfondir ma pratique, ma connaissance de moi sur ce sujet. Et puis, du coup, c'est un peu l'objet de mon appel, en fait. Je me sens un peu dépassée en ce moment avec tout ce que j'ai à faire par ailleurs. Donc, c'était pour savoir si toi, tu avais un peu d'espace et l'envie de venir une petite semaine ici, m'aider avec les enfants, la maison et tout ça. Voilà, ce serait d'un grand soutien pour moi en ce moment. Bon, je t'embrasse et puis on peut en parler quand tu rappelles. Allez, salut, à bientôt.
prévenu en disant qu'on était les seuls au monde à avoir eu l'idée de faire ça. Et de faire quoi, du coup? Depuis le néolithique, tout le monde a fait de la sélection par soustraction de capacité des plantes à s'adapter. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux que des oignons ovales, tu as une variété où tu as des oignons ovales et des oignons plats. Ouais. Eh bien, tu élimines tous les oignons plats. Ouais, c'est ça. Tu gardes que les oignons ovales, parce que tu trouves que c'est plus facile à peler. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que, au lieu de... J'enlève rien du tout et je fais en sorte que les plantes apprennent des nouvelles choses dans leur vie. Et comme tout ce que les plantes apprennent dans leur vie, eh ben, le transmettent à leurs graines, eh ben, ça fait que, en fait, elles apprennent des nouvelles choses. Et on peut dire qu'on fait de la sélection par addition, au lieu de faire par soustraction. Ok. Et du coup, comment elles font pour apprendre ces choses-là, justement pour devenir plus résistantes ou pouvoir s'adapter mieux après à l'endroit où elles se trouvent? Par exemple, ici, il fait très sec. En général, la plupart des années, il y a 6 mois sans une goutte d'eau. Et ben, il suffit de ne pas avoir d'eau et de ne pas arroser, par exemple. Elles sont bien obligées d'apprendre à résister à la sécheresse. Voilà. Donc, de ne pas intervenir tout le temps Et avant de connaître Rachel, pendant 10 ans, j'étais parti vers le Cantal. Et ben, là-bas, et ben, les plantes, elles ont surtout appris à résister plutôt aux excès d'eau et au mildiou et tout ça. Et comment ça se passe par rapport aux différents types de maladies et tout ça? Est-ce qu'elles ont une résistance? Ben, oui, bien sûr, parce que le truc, c'est que c'est pareil avec les maladies. Il y a à peu près 30 ans, moi je me suis dit, je vais faire esprit de ne pas les soigner. Je me suis posé la question au départ, comment ça se fait que ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui pour la plupart étaient des légumes au Moyen-Âge, comment ça se fait que c'est tellement résistant qu'on n'arrive même pas à s'en débarrasser? On peut se questionner là-dessus, en termes de résistance. Oui, parce que même si on essaye de s'en débarrasser, on n'y arrive pas. C'est à force de les dorloter, de les soigner, de... tout leur amener, si elles ont soif, on leur amène de l'eau, si elles ont une maladie, on met un traitement, qu'il soit bio ou pas bio. Mais c'est sûr que c'est encore pire si c'est pas bio. Mais voilà. Donc elles n'ont aucune raison de développer des résistances, puisqu'elles sont tout le temps dorlotées. On est aussi les seuls, dans tous les petits semenciers et tout ça, à faire la production de semences dehors et pas sous serre. Donc en fait, pour réagir à l'agression des UV, elles vont commencer directement leur système immunitaire à fabriquer énormément d'antioxydants et tout ça. Alors que si on les laisse sous serre, même si génétiquement la plante a la capacité de le faire, ben ça reste endormi. Et donc les pucerons et toutes les bestioles s'y attaquent. C'est ça. Ouais. Donc à vouloir encore une fois trop les protéger, finalement on les affaiblit en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, maintenant, il y a de plus en plus de maraîchers qui le voient et qu'ils ont 100 fois plus de maladies et de problèmes dans les serres que dehors. Donc ça fait que quand on récolte les graines, parce que nous, pour faire les souches, on récolte toujours les dernières graines. Plus la plante a vécu, plus elle a appris de choses. Le résultat, c'est qu'il y a des gens qui sont très contents parce qu'ils arrivent, ils disent qu'il n'y a que avec nos semences qu'ils arrivent à avoir des tomates en Normandie ou en Nord-Pas-de-Calais ou en Bretagne sans serre. Ou en Belgique aussi. Et à l'inverse, il y en a qui sont très contents parce qu'ils ont une magnifique récolte au Sénégal, par exemple. Et puis, il y a aussi des autres climats, même comme en Guyane, où normalement, personne n'arrive à faire des tomates parce que c'est tout le temps humide et qu'il pleut tout le temps. Et bien là, il y a des gens qui en ont semé. Et ils nous ont envoyé des photos et des paniers remplis de tomates, récolte magnifique, et ils n'ont pas vu de maladie. Si je redevenais une mauvaise herbe, ou plutôt une herbe folle, indomesticable, résistante, forte et libre. J'ai eu la maladie de Crohn et l'hypothyroïdie,
qui sont apparues en même temps. Ça m'arrive même de me faire sur moi comme ça en pleine rue. Enfin, c'était juste horrible. Enfin, le métro, c'était la période la plus dure pour moi parce que du coup, bah, j'en devenais claustrophobe. En fait, moi, ça s'est toujours manifesté sous forme de crise très, très violente où j'avais pas le choix d'aller à l'hôpital. Et donc, du coup, on me mettait sous morphine à chaque fois. Et puis, pendant une semaine, je restais à l'hôpital. C'était horrible. J'en parle comme ça, mais c'était vraiment horrible. Au bout d'un moment, j'ai fini quand même par aller voir une psychologue parce que j'allais très, très mal d'un point de vue psychologique. Enfin, ça m'a vraiment aidée... En fait, déjà, à vivre les émotions que j'avais pas vécues jusqu'à présent. On s'est rencontrés, et puis, bah, t'es devenu mon pilier dans ma vie. T'es vraiment devenu, enfin, la personne qui m'a permis, en fait, d'être ce que je suis aujourd'hui, même si c'est grâce à moi aussi. Mais sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui. En fait, je voulais pas continuer à avoir des crises et augmenter les traitements et finir peut-être même avec une poche par la suite. On a mis en place le gluten, les produits industriels. Mais c'est tout. Et j'avais encore une œsophagite qui était super présente. Et du coup, qu'on puis a... T'avais mal aux articulations. Oui, ouais, j'avais mal aux articulations. Tu restais fatiguée. Ouais. Il y avait quand même un problème. Oui, il y avait encore un problème. Il me parle du jeûne intermittent. Il me dit, le matin, t'arrêtes de manger. Premier repas, midi. Donc du coup, je fais, OK, pas de souci. Ça va être dur, mais pas de souci. Et ça a été dur. Et ça a été très dur. Et dernière chose qu'il me dit de mettre en place, ce sont les combinaisons alimentaires. Donc certains aliments qui vont ensemble et d'autres qui ne vont pas ensemble parce qu'ils ne peuvent pas être digérés en même temps. Ça peut créer de la fermentation, des gaz, des ballonnements et forcément de l'inflammation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti tout de suite. Et je pense honnêtement que sans le jeûne intermittent, je n'en serais pas là aujourd'hui. En fait, c'était très dur la première semaine. J'ai commencé à me détoxifier. Mais de manière très importante, en fait. J'ai commencé à suer énormément, j'avais très très froid, j'avais tout le temps un bonnet sur la tête, alors qu'on était en avril, j'avais des gants. Donc c'était vraiment très dur, et j'avais faim. Mais faim le matin, je tremblais jusqu'à mon repas du midi, donc du coup jusqu'à vraiment sa digestion, donc à partir de 13h, 13h30, là je commence à re-avoir un pic d'énergie. Mais avant ça, c'était la catastrophe. Enfin, je tenais pas debout, c'était hyper compliqué. Première semaine, c'était comme ça. Et après, il n'y avait plus de tout ça, en fait. J'ai commencé donc à faire beaucoup, beaucoup de sport. Une fois par jour, j'allais au pilates ou au yoga pendant peut-être 4 mois. 4 mois, tous les jours, j'allais au sport, j'y allais en vélo. Ça c'était quelque chose, c'était mon moment que j'attendais dans la journée. En fait, j'avais plus aucune inflammation, j'avais plus rien. J'avais un tout petit ulcère qui restait, mais en fait c'était un ulcère qui était là d'avant et qui était en train de partir en fait. Et j'avais plus rien, j'avais le côlon, tout le système digestif d'une personne saine, normale quoi. Et ça c'était, ça m'était jamais arrivé quoi. Ça m'était jamais arrivé, et sachant que C'était impensable en plus. C'était impensable. Ouais. C'était impensable. Sachant que 3 mois avant, je devais passer sous immunosuppresseur parce que la maladie était trop forte. Ça joue sur une blessure première chez l'être humain, qui est la peur de perdre le lien, parce qu'il y a peur de ne pas avoir les ressources à l'intérieur de soi pour subvenir à ses besoins. Et cette peur, nous la portons tous, parce qu'au fond de notre berceau, il est vrai qu'à un moment donné, on attendait le biberon et que si le biberon n'arrivait pas, nous étions en danger. Mais devenus adultes, on peut se nourrir autrement que toujours attendre que ça vienne de l'extérieur. Et c'est sur cette grande peur que toute une économie s'est construite. La peur du manque, la peur de pas assez. Et c'est jamais assez. C'est terrifiant. Quand je regarde comment je vivais avant, je comprends que j'allais contre le vivant. Que je nageais constamment à contre-courant. Là où le stress n'est pas intense, mais chronique. Où le métabolisme du corps est constamment élevé, ce qui produit de l'acidité, de la déminéralisation, ou encore de l'immunodéficience. J'observe comment, dans la société actuelle, la pollution sonore, électromagnétique, celle présente dans les aliments, dans l'air, peuvent rajouter du stress chronique et nous mettre dans un état de suradaptation qui passe inaperçu. A l'inverse, nous nous exposons globalement peu au froid, au chaud, à la faim, aux éléments. La voiture, le métro et les ascenseurs nous évitent de marcher. Le prêt-à-penser ambiant nous évite de réfléchir. Et tout ce confort nous affaiblit.
On s'affaiblit aussi en réprimant ses émotions et compensant par les drogues, l'alcool, le tabac ou les médicaments. Et c'est un cercle vicieux. Plus on est fatigué, plus on prend des excitants comme le café, la clope, le sucre ou tout produit industriel est mort. Plus on prend des excitants et plus on va puiser dans nos réserves pour continuer de vivre ainsi. Jusqu'au jour, nous n'avons plus de réserve vitale. L'épuisement des ressources planétaires est comparable à l'épuisement des ressources vitales de notre corps. Jusqu'à l'effondrement, jusqu'à la mort. C'est pauvre par rapport à ce que l'expérience humaine peut être. Mais pour ça, il faut accepter effectivement d'aller dans l'inconnu, dans le moins confortable, dans le non confortable, de ne pas en avoir peur et de se dire qu'on a des ressources en nous pour recréer des équilibres qui ramèneront plus de confort. Voilà, c'est l'histoire de notre civilisation, dite moderne. Au niveau cellulaire, il y a certains neurotransmetteurs qui vont être relâchés. Et au niveau cellulaire, ça va être des signaux épigénétiques pour se renforcer, qui vont faire des cascades au niveau moléculaire. Donc une respiration hormétique, ça va être prendre beaucoup ou prendre beaucoup moins que de normal. Donc on peut être sur de l'hyperventilation, sur une chose qui est très puissante, comme ça, ou sur de la rétention, poumon vide, poumon plein, l'apnée. Respirer, c'est capital. Et c'est l'un de nos seuls outils, presque le seul, qui permet d'influencer le système nerveux qu'on dit autonome, celui normalement où on n'a aucune emprise dessus. Et Wim Hof en fait tout, voilà, toute sa communication, puisque normalement, les hormones, les neurotransmetteurs, etc., on ne peut pas y toucher. Le rythme cardiaque non plus. La production d'adrénaline non plus. Tout ça, c'est fait de façon autonome par rapport à notre volonté. Eh ben non. La respiration, par la respiration plus nasale, en allongeant l'expire, on favorise la détente, on favorise le système nerveux dit parasympathique, donc vraiment la détente, le relâchage de certains neurotransmetteurs plutôt que d'autres, en accélérant volontairement la respiration. Et voilà, en jouant en fait sur ces pics d'activité au niveau de la respiration, tu peux induire des changements biochimiques dans le corps. En gros, ton CO2, c'est ta porte d'entrée de l'oxygène à la cellule. Plus tu arrives à avoir un seuil de tolérance au CO2, plus tu arrives à en accumuler, plus la porte va être grande ouverte. C'est ça qui est important à retenir. Donc s'entraîner à pouvoir accumuler du CO2 dans le corps, c'est tout le propos de la méthode Buteyko, et c'est comme ça qu'il a guéri je ne sais plus combien de milliers de patients pour l'asthme, plein de problèmes respiratoires, mais pas que, beaucoup d'autres problèmes métaboliques. La méthode Buteyko nous a démontré que par des techniques de respiration, sans aller en haut de l'Himalaya, on peut induire le corps à produire plus de PO par justement se forçant à respirer très peu en fait, à faire des rétentions, à donner un tout petit peu d'air et donc à contenter le corps juste pendant quelques instants, quelques secondes, et puis lui redonner, et puis lui redonner comme ça, et par petites touches lui redonner un petit peu d'air, et ben ça lui met dans une forme de stress qui va faire sécréter le PO, donc plus de globules rouges, etc. etc. Ouais. Les premières fois où tu fais des apnées, c'est angoissant. Ouais. Tout d'un coup, je respire plus. C'est une petite mort aussi. Ouais. Donc tout ça, c'est un... Moi, je dis que la loi de l'hormèse, c'est une école. Parce que là, tu fais vraiment un chemin intérieur. C'est le processus, c'est la récompense. Là, il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a pas « je dois rester une minute ou deux minutes ». Non. Ce que tu es en train de faire, là, c'est, c'est la récompense. 30 times. Okay. 50 more. You feel light-headed, tingling. It's good. Let it go. Let go.
and stop. You were 1:35 without air in your lungs. And that, to your primitive brain, in the brainstem, says, there is no oxygen, there was no... Mm. Adrenaline comes in, you see? Yeah. But you did not feel agony, you felt no force. Yeah. It's nice, it's okay. You become the master over your deepest part of the brain. Okay, once more, and then you will see you will be able to stay 2 minutes without air in the lungs. Whenever you feel the urge to breathe, Alfie, take a full breath in and hold it. And hold it. 3, 2, 1, and let it go. You see? It's all real. She did 2 minutes, 15 seconds, without air in the lungs. You feel the peace? How nice. That is the silence. The question was, what is silence? This is silence. The silence of the body. We are a body. Puis ensuite on sort de notre boîte, notre maison, pour aller dans une autre boîte, notre voiture. Puis on va dans une boîte pour travailler. Puis ensuite on sort de la boîte, on va dans un ascenseur qui est une autre boîte. Enfin voilà, on transite de boîte en boîte. Et c'est vrai qu'en fait on fait plus d'activité physique. Ça nous permet de nous oxygéner. Et puis surtout ça permet aussi de... vous regardez les enfants quand ils n'ont pas bougé depuis un certain temps. Ils sont infernaux parce qu'ils sont infernaux. Ça tourne dans tous les sens, ils courent, ils crient. Ils ont besoin de se défouler. On a besoin, même si avec l'âge ça se calme. On a ce besoin de bouger, ce besoin de mouvement, ça fait partie, c'est la vie, hein. La vie c'est le mouvement. Comme le bain froid, comme le bain chaud, comme la respiration Wim Hof, on stimule fortement l'organisme, donc le corps il va produire fortement certains neurotransmetteurs comme l'adrénaline, la noradrénaline, ce genre d'hormones et de neurotransmetteurs qui sont des signaux épinétiques très forts pour le corps, qui le mettent en état de survie. Voilà. Donc on va le chercher par l'exercice physique, ça ne doit pas durer extrêmement longtemps, ou pas tomber dans une forme de chronicité, hein, de stress, c'est-à-dire pas tomber dans les travers actuels, c'est-à-dire on est stressé et on est acculé. Là, on veut contrebalancer ça, donc on veut plutôt des pics d'activité, c'est la loi de l'hormèse, hein, puissants, jugulés avec un vrai temps de repos derrière, pour qu'il y ait récupération et reconstruction. Le temps de repos étant au moins aussi important que le temps de stimulation. L'hormèse, c'est quelque chose qui est relatif à la personne. Le principe restant le même, c'est je me mets au challenge, je m'approche de ma zone rouge, je me mets dans le rouge, voilà. Je ne tombe pas de la falaise, je reste sur le bord de la falaise. Parfois, il faut tomber de la falaise pour savoir où est le bord de la falaise. Il n'y a que le passage à la pratique et l'expérimentation qui compte. Donc, je dis à chaque fois, la vérité est déjà en vous.
parce qu'on passe par l'expérimentation et on découvre ce qui est vraiment vrai en nous. Certaines choses, comme tu sais, voilà, le froid, le chaud, jeûne aussi, jeûne sec, un peu de sport aussi que je faisais pas avant. Mmh. Et bon, ben là, je peux pas dire que ça va mieux. En tout cas, les symptômes sont presque plus aigus qu'avant. J'ai eu des poussées d'inflammation au niveau des articulations. J'ai même eu un peu de fièvre à certains moments, des maux de tête. Voilà. Donc, je me demande en fait si je dois continuer, si c'est un bon chemin pour moi ou pas, quoi. Tu sais, c'est vraiment le problème avec la notion de symptômes. C'est-à-dire que les symptômes ne nous disent rien de notre état de santé. Tu peux avoir des tas de symptômes et être en très bonne santé. Tu peux avoir des tas de symptômes et être en mauvaise santé. Le symptôme, c'est la manifestation de la vie. Et on ne connaît pas la vie, donc on ne connaît pas les symptômes et on a peur des symptômes. On vit dans un monde dans lequel tout symptôme égale problème. Donc tu vois, là, tu viens me voir et tu me dis « Thierry, ça va pas ?» Il y a un problème parce que j'ai des symptômes. Je veux dire, mais c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que pour toi le symptôme est un problème? Le symptôme est une manifestation de la vie, la douleur, ça signale que ça vit en toi. Ce qui va nous permettre de dire que la direction que tu prends est la bonne ou pas la bonne, ben, ça va être de juger au bout d'un certain temps ta capacité adaptative, de voir si tu es devenue objectivement plus forte. Et puis bon, je vais pouvoir te le dire. C'est simple. Si tu me dis... je jeûne, je me renforce par le froid, et ainsi de suite, ça va être facile pour moi de dire, ok, les symptômes que tu as, il y a des grandes chances que ce soit des manifestations de la vie en toi qui va dans le sens, plutôt, d'un sens de régénération, d'augmentation, de renforcement. Hein. Par contre, tu me dis, moi, j'ai des tas de symptômes alors que j'ai passé mon temps à manger n'importe quoi, à ne pas dormir et à faire la fête tout le temps, je dis, ok, il y a des grandes chances que ces symptômes soient des signaux d'un état de dégradation en toi. Mais les symptômes ne sont que des signaux de la vie qui se manifestent. On cherche en permanence l'absence de symptômes. Mais l'absence de symptômes, c'est la mort. La nature, la force vitale, est intelligente et en fait, elle sait nous faire des symptômes. Et en fait, la plupart des symptômes représentent vraiment l'effort que notre corps fait pour pouvoir se soigner, quoi. Et c'est pareil pour... des tendinites, c'est pareil pour de l'arthrite. Notre corps va créer donc une fièvre locale sur le tendon, sur le ligament, sur l'articulation qui est justement pleine de cristaux. Et cette chaleur, cette augmentation de température va créer une combustion des cristaux. Et comme ça chauffe, forcément, ça fait mal, ça fait une inflammation. Donc nous, on ressent une douleur. Mais si on comprend que cette douleur... c'est elle qui va permettre justement que les cristaux puissent repartir dans la circulation sanguine à l'état de micro-cristaux pour que ça puisse être éliminé par les reins. On est plus en paix avec la douleur. Par exemple, quand on a de la fièvre, notre corps commande une augmentation de la température pour venir brûler des toxines, des déchets, du mucus qui nous encombre et qui ne supporterait pas une certaine chaleur. L'acné, des boutons, des furoncles, de l'eczéma, du psoriasis, toutes les manifestations cutanées sont aussi le reflet d'un sang, d'une lymphe qui tente de se nettoyer. Si ton corps s'adapte en permanence
et tend autant qu'il le peut vers la santé. C'est donc que tous les symptômes que tu vas voir apparaître au cours de ta vie ne sont que des signaux de cette tentative, de cette direction que prend le corps vers la santé. Et donc, supprimer le symptôme, d'une certaine manière, ben, c'est empêcher ce retour vers la pleine santé. Ça fait que on se met en combat contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se met en combat contre les mécanismes qui sont censés bien, nous permettre de rester en vie. On se met en combat contre la vie. Et le seul combat qui est à mener, ben, c'est celui contre l'ignorance des lois qui prévalent et qui nous déterminent. Des lois biologiques, des lois naturelles qui nous prévalent et qui prévalent et qui nous déterminent et dont on ne peut pas faire fi. Nous, on a 40 ans, bientôt. La semaine prochaine. On est toujours au top dans notre sport. J'étais asthmatique, j'étais à la limite de porter des lunettes. Nous, on aime maintenant manger vraiment en monodiète de fruits. Donc, par exemple, si à midi, j'ai envie de manger des papayes, je vais manger que des papayes. Si le soir, j'ai envie de manger des oranges, je vais manger que des oranges. Mais ce n'est pas que l'alimentation. La respiration, s'exposer au froid, s'exposer au chaud, enfin mettre à l'épreuve un petit peu tout le temps son corps, ça permet, en fait, après, quand on arrive dans une situation de stress, qui est pour nous les compétitions, de ne pas avoir une réaction inflammatoire, en fait, à l'intérieur de notre corps. Donc, voilà. Et depuis, ben, on peut dire qu'on n'a plus de tendinite, on n'a plus les bobos qu'on était habitués à avoir. Je me suis cassé la main, j'avais deux os qui étaient brisés. Et on avait fait une alternance de 36 heures de jeûne. Sec. Et après 24 heures de jus, eau de mer, jus et eau de mer. Et après, on alternait re-jeûne, re-jus. Athlète de l'année. Athlète en Chine. De l'année. Là. Idem, celui-ci il me plaît parce que c'est celui de un mois après ma main cassée. Voilà. C'était quoi déjà? Championnat d'Asie-Pacifique. Et ça, c'est le futur, c'est cette année, 2019. Championnat, c'est quoi? Middle East, Africa. Voilà, c'est pas que du blabla, c'est des résultats. On a découvert une tumeur cancéreuse sur l'ovaire, une tumeur de 6 cm. Et donc avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'ai décidé de faire ce jeûne de 42 jours de jus, légumes et de tisane, à la fin de laquelle les marqueurs avaient beaucoup baissé et la tumeur était nécrosée à 90%. La tumeur étant toujours présente, j'ai décidé de la faire retirer et c'est l'analyse de la pièce qui a permis de tirer ces conclusions. Je vais suivre cette cure de 6 mois d'alimentation vivante. J'étais à l'époque à Marseille et j'ai pu profiter de la mer, du soleil, de l'énergie, des calanques, de la bonne mer que j'allais voir très souvent. Et je garde de cette période un souvenir très lumineux. J'avais enfoui en moi des souvenirs douloureux qui étaient tout à fait en lien avec le cancer que j'avais. À la suite de tout ça, eh bien, j'ai déménagé, j'ai réalisé mon projet professionnel. Je m'écoute plus. Je médite plus et je m'aime mieux. Il y a environ 10 ans de ça, j'ai été diagnostiquée infertile. On va faire une échographie. Ah oui, mais vous avez des ovaires polykystiques, donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, vous présentez un déséquilibre hormonal très fort. Bon, ben, écoutez, on ne sait pas. Hein, peut-être, oui, un choc émotionnel. Ou ben c'est comme ça. Hein, y a des femmes qui sont comme ça. Je fais ce qu'on appelle des micro-jeûnes. Donc, on ne déjeune plus. Et j'avais l'impression que j'allais mourir si je ne prenais pas le petit déjeuner. Et puis ben, j'ai eu mon deuxième enfant, donc grosse surprise aussi. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai eu ce problème d'infection générale, c'est que je mangeais végétalien, mais beaucoup, beaucoup trop de céréales. Et je pense que mon corps était vraiment encombré. Et puis donc à l'époque, il me fallait quand même un arrêt de travail parce que j'ai eu une forte fièvre, hein, donc j'étais très mal. Je suis rentré chez moi, j'ai pris du chlorure de magnésium.
Et puis j'ai jeûné. J'ai deux baignoires dehors. Hein. Donc je pratique aussi le bain froid, mais bon, c'est pas des bains à 3 degrés. Hein. Mais mon problème d'épaule, tout ça, d'arthrose, ça s'est pas estompé. Au contraire, au bout d'un certain temps, ça s'est amplifié. Alors ça peut paraître bizarre. Oh, moi j'ai très bien compris pourquoi. C'est que quand le corps reprend un gain de vitalité, d'énergie, il met tout en œuvre pour éliminer ce qui l'encombre. Ça fait rigoler beaucoup de gens. Et je dis maintenant, j'ai même un objectif, c'est de courir un marathon pour mon centenaire. L'inconfort est nécessaire au fonctionnement physiologique normal de l'organisme. C'est juste que ça. Tu vois, on peut prendre sur le plan physiologique par exemple. Eh bien, quand tu exposes le corps au froid, au chaud, quand tu l'exposes au jeûne par exemple, eh bien, il y a par exemple des facteurs comme la BDNF. Hein. C'est un facteur neurotrophique qui est libéré. Neurotrophique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va favoriser eh bien, l'élaboration neuronale. Tu vas avoir des meilleurs circuits neuronaux qui vont s'élaborer, tu vas devenir plus intelligent d'une certaine manière. De la même manière, eh bien, on apprend à la mitochondrie, qui est la centrale énergétique de la cellule, à mieux utiliser, à mieux produire de l'énergie. Ce dont on se rend compte, c'est que nous sommes parfaitement designés pour être exposé régulièrement à des chocs adaptatifs. That's who we are. We are divine beings. Oh, we are beings of light. Is your drive to go. You are unstoppable. You know that you are here to meet your soul, to realize your soul, to realize your divinity, your beautiful mind, and all that is yours, and you will be unstoppable. And then we get into the wind, into the air, the breathing itself. The breathing is like the spirit, the life force, the control over the life force. We are here with the task of the soul. The element of water is creation. Your being coming to life, that is the water. With the life force in control, with the drive of the fire, with the energy of the water, and being strong like a rock, you can do anything. And that's the way it should be. So there we are.
je multipliais les petits mots, en fait, les symptômes indiquant qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui ne se passait pas correctement. Donc, il parle de tendinopathie, donc, c'est-à-dire de maladie qui touche les tendons au niveau du corps. Donc, c'est une rétraction, c'est comme un élastique qui ne serait plus élastique. Les médecins m'avaient dit que je ne remarcherais jamais, à moins de me faire couper les tendons. Donc là, j'ai emprunté d'autres formes de vie, c'est-à-dire favoriser un petit peu plus le repos. Et j'étais obligée, par la force des choses, par cette situation, j'étais obligée de me reposer. Je pouvais partir au quart de tour pour n'importe quoi, un regard dans la rue. J'aurais pu insulter les gens ou les frapper. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma capacité adaptative, elle était encore à zéro. Prendre une douche froide, pour moi, au départ, c'était prendre une douche à 27 degrés. Donc finalement, c'est ça la limite de ma capacité adaptative. Donc j'ai commencé par prendre des douches froides qui étaient à 27 degrés. Sauf que petit à petit, effectivement, mon corps s'est renforcé. Il n'a pas été cassé par cette adaptation qui était trop difficile. Elle n'était pas trop difficile parce qu'elle était adaptée à mes propres limites adaptatives à ce moment-là. Petit à petit, j'ai réussi à ne plus rien prendre, ni à boire, ni à manger le matin, et à tenir comme ça toute la journée jusqu'au soir pour vraiment renforcer mon corps et le mettre dans une pratique de jeûne. Ce qui s'est dégagé, c'est une grande fierté. Pour la première fois de ma vie, ce corps qui était un peu défaillant pour moi, j'arrivais à l'aimer. J'arrivais à me dire, mais t'es capable de faire ça? Pendant un moment, j'ai dû me détacher, de prendre sur moi, justement, de prendre du recul avec les personnes qui avaient une influence négative sur moi, parce que moi, j'avais pas la capacité adaptative, justement, de les côtoyer. Alors, aujourd'hui, je remarche mieux, je remarche beaucoup plus, mais j'ai toujours besoin de mon fauteuil roulant. C'est le début d'une nouvelle vie, en fait. Et après, aussi, au-delà de ça, s'interroger pourquoi être en santé. Parce que être en santé, mais si c'est pour retourner travailler et faire partie du même système délétère qui détruit la santé des autres, qui a un non-sens économique, social et écologique, à quoi ça rime ? Je me suis rencontrée en profondeur et j'ai appris à faire confiance en la vie, en mon corps, en mon âme, sans attendre sur ce qui devrait être. Grâce à tous les êtres inspirants que j'ai croisés, j'ai osé plonger dans mes limites et j'y ai rencontré ma grandeur et ma force, loin de ce que je pouvais imaginer. Le renforcement est devenu un jeu qui me dépasse, un univers infini à explorer, avec l'intuition comme guide. Le mouvement, la respiration, le froid, le chaud, le jeûne, les pensées, les émotions, tout bouge, tout circule au sein d'une présence stable. Il n'y a plus qu'à danser avec la vie. Je regardais mes enfants ce matin. Ils sont libres d'apprendre ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et je me rends compte qu'ils appliquent leur mèze naturellement. Ils jouent à 100% et ensuite dorment à 100%. Ils vivent ces pics de haute activité et de repos naturellement. En n'étant pas dans un environnement artificiel comme l'école, ici, ils ne vivent pas sans contraintes, mais avec les nombreuses contraintes de l'environnement naturel dans lequel ils évoluent. Ils apprennent à se connaître dans cet environnement et au contact des autres. Le jeu libre leur permet d'aller au-delà de leurs limites, au-delà de leurs peurs, à leur rythme. J'observe qu'ils sont souvent pieds nus, au contact de la terre, même quand il fait froid. Aussi, un exemple remarquable de leur mèze, c'est l'apprentissage. Je connais plusieurs enfants qui, par exemple, au lieu d'apprendre à lire étalé comme ça sur plusieurs années dans leur scolarité, ils s'y mettent à fond pendant quelques mois, parce qu'ils en ont très envie, et puis c'est fait. Tout possède un processus hermétique. Ma fille Iris a traversé une grande épreuve. Pendant les 6 mois qui ont suivi, elle a vécu une période de haute intensité émotionnelle, avec des remontées de colère et de tristesse. Elle était dans un environnement sécure, où nous, on était là pour elle, et où on l'a laissée vraiment vivre ce qu'elle avait à vivre. Et depuis un an, elle va super bien. Elle a eu besoin de vivre cette traversée pleinement.
libre comme le vent. J'ai mis les voiles, oui, j'ai tué l'impossible. Ici, fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui. Au large, je lâche ma rage et mes larmes, j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent. Sur la route vers l'inconnu, j'écris mon récit, terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent de l'énigme, libre mais digne, je me délivre, éternelle pèlerine. Digne ennemi de la routine, la tête pleine de rimes, à l'heure où leur monde s'engloutit. Sanglotant, je suis parti là où le soleil a sourire, en quête de ce dont juste la mal souvenir. Liberté, mon fou rire, elle dicte ma voix. Je combats l'inertie, appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas, je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pas. J'ai grandi sous l'étoile, en crise, croire en cri, mon glacial frappe en crise. Être instable, pas tant pis, en vie, tant que l'aventure m'appelle. C'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine. Élan de folie aux yeux de l'autre, je tourne autour du soleil, libre comme l'air et le sourire aux lèvres. De train en train, je suis parti par la fenêtre pour être libre. J'ai morflé quand j'avais pas l'âge de l'être. Alors nique ta morale, peut-être vie à l'occasion. Una vita loca, ma vie un hymne à l'audace. Tous à nos places, jamais. La terre est mon pays, pèlerinage ou périple. Être libre ou périr comme un filet d'eau pure sur mes plaies si brûlantes. Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments, l'ouvrant. Je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement. Tellement le monde moderne est éprouvant. Mais ma mission est ici, alors je pars et reviens. Comme toi, mon chemin ne partait de rien. Mes pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher. Jusqu'au lever du jour où, quand la mort viendra me chercher, je partirai aussi libre que quand je suis arrivé. Entre les marées, la vie m'a appris à naviguer. D'expérience en expérience, comme une lame allumée, je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères, qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes, m'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Fille du vent.